Bonsoir à tous et bienvenue sur C17. Et toujours dans le cadre des échappées de C17, nous nous trouvons au Café de France à Sainte-Maxime pour une soirée jazz. À mes côtés, j'ai l'organisateur de cette soirée jazz, Dédé. Bonjour Dédé. Bonjour à vous tous. Alors ce soir, que va-t-il se passer ? Alors ce soir, comme chaque soir, c'est-à-dire chaque vendredi, samedi, chaque jeudi, vendredi et samedi, nous organisons des soirées de jazz, et cela depuis 12 ans maintenant. Alors 12 ans, c'est beaucoup de concerts. Oui, absolument. Il faut savoir qu'une saison au Café de France, ça commence à la mi-septembre et ça se termine à la mi-juin. Nous avons pas moins de 125 soirées de jazz. Vous pouvez venir quand vous voulez, il y a toujours un concert qui est prévu. Nous avons bien sûr la formule du jazz classique, mais nous avons également du jazz traditionnel, nous avons du jazz manouche, nous avons du jazz tzigane et même du jazz gospel. C'est parfait tout ça. Dites-moi, vous avez un invité de marque prévu pour le 4 novembre? Oui, en effet. On a l'immense plaisir, l'immense bonheur d'avoir un invité de marque parce que c'est le parrain du jazz au Café de France. C'est Tony Petrucciani, le papa de Michel, qui viendra fêter ses 87 ans ici au Café de France. C'est vraiment un honneur pour nous. Alors, à quand votre passage à La Rochelle? Ah ben ça, c'est quand vous voulez, hein. Moi, je peux passer les orchestres, ça, je vous laisse maître du jeu. Merci Dédé. On écoute.